Hello tout le monde! Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ne faites pas attention à la lumière. Bon, en premier, j'espère que vous allez bien. Et en second temps, mais effectivement, la lumière, elle est un petit peu jeune. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu mon anneau lumineux parce que je viens d'aller au point relais juste maintenant et en fait on m'a dit que le collier est arrivé et il n'est pas reçu et je pensais tourner ce soir à tout prix parce que la semaine prochaine je suis overbookée, il est 9h30, je rentre de Paris. Si vous me suivez sur Instagram, je mets le lien juste ici, par là, je ne sais plus à chaque fois, en bas. Mais si vous me suivez sur Instagram, c'est important d'ailleurs de le faire parce que vous avez plein de concours, etc. Vous avez vu que j'étais à Paris pour Chanel parce qu'ils avaient fait un jardin dans le jardin des Tuileries avec les fleurs de chez Chanel, donc c'était super intéressant et je vous avais mis tout ça en story. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que c'est important si vous voulez aussi suivre mon activité au quotidien. C'est plus sur Instagram que je marque ma vie quotidienne. Donc bref, on se retrouve aujourd'hui, je vais tourner à tout près et je vais vous présenter toutes les choses que j'ai reçues pour ce mois de juin. Et voilà, vous faire partager un petit peu de tout ça. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. C'est important pour moi de le faire. C'est grâce à ça que je peux faire plein de choses, accéder à plein de choses et justement en fait vous en dire encore plus au quotidien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker ce style de vidéo si ça vous plaît et n'hésitez pas à commenter, j'adore répondre à vos commentaires. Et c'est parti, je ne parle pas plus, ça va faire une intro de plus de 1 minute. Donc ce mois-ci j'ai reçu plusieurs de petites choses. Bon, je voulais vous parler de mon anneau lumineux mais je ne l'ai toujours pas reçu. J'ai reçu en fait des produits du site Aliskin. Alors je ne sais pas si vous connaissez le site Aliskin, mais c'était un site que moi-même je ne connaissais pas. Ils m'ont contacté pour vous en parler. Et en fait j'ai reçu plusieurs produits pour vous dire. En fait c'est un site web où vous avez plein de produits en réduction et vous avez plein de marques différentes. Donc à savoir qu'au niveau parfum, pour moi j'ai vu qu'il y avait pas mal d'éditions qui n'existaient plus, des éditions qui étaient terminées. Donc si vous voulez trouver des parfums que vous ne trouvez plus dans le commerce, vous pouvez les trouver là-dessus. Et moi j'ai reçu plein de petites choses dans un colis qui a été très très rapide à recevoir. Moi je l'ai reçu très vite et j'ai reçu des choses de la marque Cartier que je ne connaissais pas. Un grand tube, on va appeler ça comme ça, d'argile verte et prête à l'emploi. Je sais que c'est des choses qui sont vendues généralement en pharmacie. C'est de la cosmétique nature, donc c'est de l'argile verte. Moi j'adore l'argile verte, on peut sortir des cataplasmes et les utiliser en masque, c'est super bien, surtout si vous avez une peau plutôt imperfection. Donc ça c'est à tester. Ensuite j'ai reçu un truc un petit peu bizarre, j'ai reçu un dentifrice poudre blanchissant de la marque Cartier toujours et il s'appelle Eridem, donc ça aussi ça a testé. On peut brosser aussi la langue, on peut brosser les dents avec et ça redonne en fait de l'éclat tout simplement à l'émail et ça reblanchit les dents. Donc moi j'aime bien tout ce qui est blancheur pour les dents, donc je vous en dirai aussi des nouvelles. J'ai reçu également un masque et un baume démaquillant, c'est un 2 en 1 de la marque Fenudi qui est une marque bio. Et c'est en fait à base de miel lin et d'huile de jojoba. Donc là aussi c'est une marque que je ne connais pas. Donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je ne suis pas très produit 2 en 1, mais à tester justement je peux être des fois agréablement surprise. C'est pour ça que je n'interdis pas de tester quoi que ce soit, même des choses à la base où j'ai des a priori. Parce que des fois j'ai des bonnes surprises tout simplement. Ensuite j'ai reçu un vernis color flow de chez Maybelline. Je ne connais pas trop les vernis Maybelline. Là encore c'est l'occasion pour moi de les tester. Et également, ça je connaissais, c'est des huiles de la marque Chi. C'est des huiles d'argan pour les cheveux normalement. Normalement oui, c'est pour les cheveux, j'ai bien raison. Pour vous en dire un petit peu plus, sur le site web, la livraison est à 6,99€ en général. Et la livraison est gratuite à partir de 100€ d'achat. Je trouve que c'est quand même un petit peu excessif. Par contre, la livraison est très très rapide. Vous avez plein de produits en réduction, ça c'est super bien. Et comme je vous dis, vous avez vraiment des éditions qui sont terminées, des éditions qui n'existent plus, que vous pouvez retrouver. Je pense que c'est les liquidations de stock qu'on retrouve sur ce site web. Bah du coup, moi je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix aussi, quand des fois on n'a pas trop les moyens. Après vous allez avoir plein de nouvelles marques qui arrivent. Donc quand j'ai reçu leur mail, ils m'ont dit qu'il allait y avoir la marque La Petite Guerre. Là aussi je connaissais pas, j'étais un petit peu voir. Et après vous avez plein de marques aussi sur ce site web que je connais pas, donc j'ai plus mon ordinateur, comme Babaria, Baldessari, Cabana Sun, Carolina Herrera Gafas. Enfin il y a plein de choses que moi je connais pas. Hein. Dénénès, Dermatina. Allez voir parce qu'il y a beaucoup de marques et ils font voilà tout ce qui est solaire, tout ce qui est corps, tout ce qui est soin, tout ce qui est parfum. Donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Et on continue avec une autre marque et là on continue avec la marque Clinique. Donc j'étais invitée à l'événement Clinique sur Paris en partenariat avec Sephora et Nike et je suis trop blasée, j'ai pas pu y aller. J'étais vraiment trop triste, mais bon, on peut pas tout faire dans la vie.
Voilà, c'est comme ça. Et donc en fait Clinique sort sa nouvelle gamme qui est Clinique Fit. Et c'est une gamme exprès pour le sport en fait. C'est une gamme qui va nous permettre de résister à la transpiration, à l'effort. Voilà, c'est quelque chose qui va durer et qui est là exprès pour les sportifs en fait, tout simplement. L'événement avait l'air trop top, je sais pas si vous avez vu des stories sur Instagram ou comme ça, si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et vous allez avoir plein de choses comme un fond de teint, un mascara toute épreuve, un hydratant matifiant post-effort, un spray hydratant toute épreuve visage et corps, une poudre apaisante après post-effort en fait, un rince à lèvres et à joues et des lingettes nettoyantes visage et corps après l'effort. Donc pour vous en dire un petit peu plus, la marque m'a envoyé des produits que je n'ai toujours pas testés parce que entre temps je n'ai pas pu faire de sport de toute manière et je voulais les mettre à l'épreuve. Si une vidéo vous intéresse où je mets à l'épreuve ces produits Clinique Fit, qu'est-ce que ça vaut après avoir fait du sport, moi j'ai reçu le spray hydratant corps et visage, donc c'est un spray qui permet d'hydrater tout simplement le visage et le corps. J'ai reçu également la crème hydratante et matifiante. J'adore le packaging, hein. Trop top, le packaging aussi est super mignon. Et j'ai reçu le neutraliseur, la poudre neutralisante de rougeur en fait après l'effort. Parce que oui, après l'effort, mais on est rouge et en fait c'est une poudre qu'on peut s'appliquer pour atténuer tout simplement les rougeurs. Donc pour vous en dire un petit peu plus, tous les produits cliniques sont soumis à des tests d'allergie, c'est 100% sans parfum. Il y a des tests d'ophtalmologie et ça combat, ça c'est pour ce produit hein, notamment, ça combat instantanément les rougeurs visibles. J'ai hâte de tester tout ça et pourquoi pas, si vous me le dites en commentaire, si j'ai plein de commentaires sous ma vidéo, je vous ferai une vidéo pour vous dire est-ce que ces produits résistent à l'effort ou pas. Et si je peux tester le mascara et tout ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, j'ai reçu de la marque Furtherer et grâce à Influence for Brands aussi, la gamme 7 Sense de la marque Furtherer. Donc Furtherer, c'est un shampoing que j'utilise d'ailleurs en ce moment. Je crois que je vous en avais parlé, c'est la gamme pour les cheveux, le cuir chevelu sensible, donc c'est sensitive, un truc comme ça, la gamme du shampoing, et c'est un shampoing qui va permettre en fait d'apaiser ben, quand on a le cuir chevelu qui nous irrite, quand on a tendance à se frotter souvent le cuir chevelu, ou qu'on peut avoir voilà, des plaques ou des trucs comme ça, ça vient vraiment apaiser le cuir chevelu. Furtherer, c'est une marque que je connaissais aussi pour les ampoules anti-casse de cheveux, donc c'est une marque dans laquelle j'ai très confiance. Et j'avais bien envie de tester la gamme 5 Sense qui est vraiment une gamme envoûtante avec des odeurs très sensorielles, des textures très sensorielles. Et donc c'est une gamme avec vraiment un parfum envoûtant, donc c'est voilà, c'est à base de 5 huiles. Il y a l'huile sèche sublimatrice pour le corps qui est un équivalent en fait de l'huile nuxe hein, tout simplement. Mais au niveau odeur, je vais vous dire ce que j'en pense. Et niveau odeur, c'est vrai qu'elle sent, mais vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est vraiment une odeur envoûtante. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, vraiment pour tout. C'est vraiment le style d'huile que j'adore utiliser en été. Ensuite, il y a les shampoings. Donc vous avez le shampoing sublimateur et également, il est à l'envers, le baume démêlant sublimateur. Donc c'est vraiment une routine que je vais ajouter à ma routine précédente. En fait, j'utilisais les shampoings Bioderma, comme je vous ai dit, ou les shampoings encore Furtherer dans la gamme sensitive. Mais en fait je pense que je vais alterner les shampoings parce que j'ai envie et d'apaiser mon cuir chevelu et tout ce qui est psoriasis etc. Mais en même temps de sublimer mes cheveux parce que c'est important aussi de les nourrir en plus il va avoir le soleil etc. Donc celui-ci fera partie de ma prochaine routine, je risque de vous en reparler dans mes vidéos suivantes. Et dernière petite précision sur ces produits là, à savoir que c'est des produits 100% sans silicone et à base de 100% d'huile naturelle. Donc ça c'est super top. On passe à une nouvelle marque de beauté et là on va passer à la marque Youwear Cosmetics. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je vous en ai fait une vidéo beaucoup plus complète la semaine dernière sur du maquillage à petit prix. Donc il y a la palette pour les yeux en fait Youwear Cosmetics. Il y a également la palette d'highlighter et de bronzer. Également vous avez le rouge à lèvres, rouge mat et également le crayon pour les lèvres. Que j'avais reçu ce mois-ci. Pour vous en dire un petit peu plus, mais sans m'attarder sur tous ces produits, des produits qui sont vegan, ça je trouve ça super bien, qui sont testés dermatologiquement, etc. à petit prix. Honnêtement, je vous avais fait un maquillage, non pas un maquillage à suif parce que le rouge n'allait pas forcément avec les yeux, mais j'avais testé les produits et je suis très très agréablement surprise au niveau bah, en fait, du prix. Mais aussi en fait du résultat. Mais la bonne surprise pour vous, c'est que vous avez un concours qui est encore dispo sur ma chaîne Instagram. Je vous remets le nom de ma chaîne Instagram, n'hésitez pas à aller me voir
dessus, mais vous avez vraiment du maquillage à moins de 10€, super bien. Une autre petite chose que j'ai reçue ce mois-ci, et ça il me tarde en fait de le tester, c'est un kit qu'il y a je crois sur Amazon si je dis pas de bêtises, et ça s'appelle Amazon Lisse, donc c'est un kit pour lisser les cheveux, pour tout type de cheveux, mais ça permet en fait d'avoir un lissage professionnel à tester. Honnêtement je pense que je vais me le faire là très vite, parce qu'en ce moment avec le temps qu'on a dehors, le temps horrible, puis en ce moment j'ai les cheveux qui ont tendance à être assez indisciplinés et très dur à coiffer, donc pourquoi pas avoir un lissage style brésilien. Donc voilà, j'ai envie de vous dire une nouvelle là-dessus, c'est à base d'açaï et de cacao. Tout est écrit en anglais. Mais pareil, je vais faire une vidéo spéciale lissage de cheveux. Hein. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale de ça en fait, tout simplement. Ensuite, je voulais vous parler d'un mascara qui vient de sortir. C'est le mascara The Curler, mascara volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est un mascara super bien. Pourquoi? Parce qu'il a deux brosses dans un seul mascara, et une brosse en version poil et une brosse en silicone. Donc vous allez pouvoir vraiment bien apporter de la longueur avec la brosse en silicone pour tirer vos cils, mais également en fait vous allez pouvoir apporter du volume, et ça je trouve ça super bien. Donc c'est un mascara qui peut faire un petit peu peur au début, celui-ci je l'ai déjà testé donc je peux vous en parler. La forme peut faire un petit peu peur parce que comme vous voyez la forme de la brosse est en fait incurvée, on va dire ça, oui incurvée. C'est une brosse voilà qui est arrondie, et c'est vrai qu'on dit bien que c'est pas une brosse comme d'habitude, mais une fois qu'on l'a en main franchement on peut bien le travailler. Vous avez la base aussi qui est vendue séparément si vous souhaitez, et qui va vraiment vous apporter encore plus de volume. Donc si vous voulez pas forcément trop de volume, vous ne mettez pas la base, mais si vous aimez les yeux bien chargés, vous avez la base qui va avec, qui est juste top. Voilà un petit peu au niveau de ces produits. Petite chose qui n'a rien à voir, je voulais vous parler de cette petite télécommande. Si vous aimez la photo, si vous avez des appareils photo réflexes, ou je ne sais pas si ça marche qu'avec les réflexes, mais en tout cas ça marche pour les réflexes, vous avez une petite télécommande qui est vendue, alors je mettrai le lien Amazon. C'est une télécommande Canon, en fait ça vous permet de prendre des photos, de mettre votre appareil photo sur un trépied et de les prendre de loin, et pour moi c'est hyper pratique parce que mon chéri ne sait pas prendre de photos, ne sait pas bien cadrer, et au moins je me cadre moi-même et je peux me prendre en photo en distance. La solitude, je peux prendre une photo Instagram toute seule, le truc horrible en fait. Mais bon en fait ça sert même quand on est en voyage au final, même si on est à plusieurs ou comme ça, on met notre appareil photo sur le trépied et on vient en fait enclencher l'appareil photo à distance. Une petite chose qui n'est pas en vente mais que je voulais vous présenter, j'ai reçu ce sac, enfin j'ai pas reçu, j'ai eu ce sac Chanel, c'est dans les chambres de Chanel, qui est en rapport avec la journée dont je vous parlais, qui est en story. D'ailleurs elle est dans mes stories permanentes, et c'est un cabas en toile que je trouve trop beau. Je pense que je vais l'utiliser pour aller à la plage. Du coup il y a eu cet événement, donc vous avez écrit dans les chambres de Chanel. Et il y a aussi 3 nouveaux parfums qui sortent, mais c'est des exclusifs que vous ne retrouverez que en boutique Chanel, ou alors dans certains stands Chanel, mais c'est plus dans les grandes villes. Vous avez en fait le Paris Deauville, le Paris Biarritz et le Paris Venise. Et moi j'ai pu avoir, je l'ai pas là, le Paris Biarritz, qui sent en fait tout simplement la mandarine, si je dis pas de bêtises. C'est une odeur d'agrumes, et ça sent la mandarine de Sicile, souligne l'éclat étincelant d'un accord muguet pour redessiner cette fragrance vivifiante comme une bouffée d'engrun. Autant vous dire que j'étais comme une folle de l'avoir, je l'ai pas avec moi parce qu'il ne passait pas dans l'avion, donc on va me l'envoyer par colis finalement. Paris Biarritz quoi, moi j'habite en Anglette, je suis souvent sur Biarritz, et c'était vraiment le parfum en fait qu'il me fallait. Chanel, une de mes marques préférées, je suis juste trop contente. Voilà un petit peu pour toutes ces choses de ce mois-ci. Pas d'habits, j'espère que je vais m'acheter des habits que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Si vous avez des questions, vous savez que je suis toujours disponible en commentaire, que je vous réponds à tous vos commentaires. Et je vous fais plein de gros bisous, et restez connectés parce que là je vais bientôt aller à la journée presse Sephora, et je vais pouvoir vous dire toutes les nouveautés qui vont arriver chez Sephora en exclusivité. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à aller suivre ma chaîne Insta. Ciao tout le monde.